Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur l'apprentissage du rappel. C'est parti! Cette vidéo m'a été énormément demandée, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, enfin mettez tout ce que vous voulez. Ça va être une vidéo assez rapide mais qui reprend vraiment les points que je trouve le plus importants pour avoir un bon rappel avec son chien. Premier point, c'est de ne jamais jamais engueuler votre chien. Même s'il revient pas tout de suite, mais qu'il revient quand même vers vous, sinon il va associer le fait de venir près de vous à quelque chose de négatif et donc il n'aura plus envie de venir vers vous. Le deuxième point, c'est de ne pas vouloir rattacher systématiquement votre chien à chaque fois qu'il revient vers vous. Sinon, ben, c'est un peu le même principe que le premier point. Il va associer que revenir vers vous, c'est être rattaché et donc être privé de sa liberté. Donc faites un peu des deux, de temps en temps vous allez le rattacher et de temps en temps vous allez le laisser repartir. Et pour ça, il y a deux choses importantes, c'est que le chien ait envie de revenir vers vous. Et pour qu'il ait envie, on va utiliser une récompense que le chien adore. Pour savoir quelle est sa récompense préférée, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les 5 façons de récompenser son chien et ma vidéo avoir une belle complicité avec son chien. Je vous conseille ces deux là que je vais mettre en description. Et ensuite le deuxième point très important, c'est qu'il faut utiliser un seul ordre et ce sera toujours toujours le même. Donc il n'y a pas de viens, puis de ici, puis au pied. Il faut vraiment garder à chaque fois le même ordre et il faut que quand vous utilisez cet ordre, il y ait 100% de réussite. Donc grâce à ça, vous allez avoir un chien qui va revenir rapidement au pied et de manière très motivée. Alors concrètement, comment je fais pour apprendre le rappel à mes chiens? D'abord, je vais le faire rester dans une position. Ensuite, je vais m'écarter de quelques mètres dans l'autre sens en courant. Je prépare dans ma poche un jouet, une friandise, enfin la récompense préférée de votre chien. Attention, le fait de cacher la récompense et de la sortir seulement après l'exercice est vraiment important, sinon ça va faire un peu comme du troc. Le chien ne va revenir que s'il voit que vous avez une récompense. Et puis je l'appelle directement avec l'ordre de rappel. Si jamais votre chien ne connaît pas le reste, n'hésitez pas à demander à un ami de le tenir au collier et de le lâcher au moment où vous l'appelez. Le fait de courir, ça va vraiment attirer le chien, il va avoir envie de vous rejoindre. Et donc on va d'abord faire ça dans un endroit calme, où il n'y a pas trop de distractions, donc par exemple à l'intérieur de chez vous ou dans votre jardin. Et puis on va complexifier de plus en plus en changeant d'endroit, en rajoutant des distractions, etc. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne en vidéo. C'est parti. Allez, go ici. Yeah, super joli. Ouais. Welcome. Yeah, super joli. Bravo, Darwin. Bravo, ma fille. Ouais. Allez, go ici. Hey, joli loulou. Allez, loulou. Allez, loulou. Ici. Allez, quoi ici? Ouais, joli doudou. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment ça qui nous soutient. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.